Salut à toutes et à tous, c'est Zoavix et aujourd'hui on va se retrouver sur un jeu d'horreur. Donc il s'appelle Outlast et il est sorti très récemment. Donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo dessus. D'ailleurs, peut-être je vais faire un let's play car en fait c'est une histoire d'un mec qui est dans un asile, je crois, avec une caméra du jeu en rec. Donc vous allez voir. Et j'ai voulu un peu varier les vidéos, donc il n'y aura pas que des MMORPG, des jeux fun. Il y aura bien sûr des jeux d'horreur, etc. Par contre, je mets pas ma tête pour des raisons personnelles, j'ai envie de dire. Si vraiment vous me la réclamez, je la mettrai. Et voilà. Bon ben, j'ai envie de dire, c'est parti pour une aventure très effrayante. Ok. Je sens déjà l'angoisse et le frisson. Donc c'est parti. Ah, ça défonce, on est dans une voiture. Waouh. Et si on peut conduire dans le jeu, ça serait épique. Ça ferait à la genre DayZ. D'ailleurs, ce jeu, il tue, je vous le recommande. Ok, je comprends rien du tout à ce qu'il dit le mec dans la radio. Mais je sais que c'est un jeu qui va me faire triper, qui va me faire vomir mes tripes. Oui, ça revient au même. Ok. Mount Massive Asylum. L'asile de Mount Massive, ok. Rien qu'avoir la baraque, ça va me faire très très flipper. Ok. Ah, je suis hyper stressé. Vous pouvez pas savoir. Ok, je m'arrête. Mais pourquoi on va là en fait? Ok. Alors, vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Et le surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais franchement, elles peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et meurent que sans mais plein les poches. Ok. Donc je vois le truc super glauque. Je sens qu'on va flipper. Oh non, on a aussi une caméra. Ah mais ouais, ça fait... Ah mais ça fait vraiment le truc comme rec, hein. Wow, vision nocturne carrément. Les gars, ce jeu va faire très très flipper. Baissez le son de vos casques, je vais gueuler. C'est parti. Enquêter sur l'asile de Mount Massive. Tab qui contient machin. N les documents et J les documents récupérés. Ok, donc on ouvre la porte. Ok, D, E, souris droite pour lever le caméscope. Ah, wow, c'était quoi ça? Des ratons laveurs? Non. Ok. Donc bah c'est parti. Rien qu'avec leur caméra, ça me fait très très flipper. Donc j'imagine pas la suite. Alors, on s'accroupit pour passer dans le recoin. Ok, c'est parti. Ok, je pense qu'il faut prendre l'échelle. Voilà. Ok. Nous on est des Yamakasi, on s'en bat les couilles de l'échelle. On monte direct. Bim. Quoi? Je fais l'acrobate. Ok, donc il faut passer par la fenêtre, je pense. Ok, c'est parti. Oh. Oh, fuck. Fuck. La lumière, elle s'est éteinte. Non. Non, 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 non. Je vais me cacher sous la cheminée. Ok, on ouvre la porte. C'est quoi ce truc super glauque? J'ai trop peur. Ah! C'est quoi ça? Pourquoi la télé elle s'est allumée, elle a crié? Mais c'est quoi ce bordel? Ok, on ouvre la porte.
Oh mais non, je ouvre la porte. On va la claquer. Ok, espace pour se faufiler. Ok, on va aller voir dans la salle là. Peut-être qu'il y a des indices ou quelque chose. Non, rien du tout. Ok, on passe notre chemin. Tonger pour fermer. Allez. Et ferme, oh. Allez, mais ferme-toi. Bon, bah, méchante porte. Ok, on va ouvrir celle-là. Oula. Pourquoi le téléphone? Oh, un document. On récupère un document, c'est parfait. En plus, ça fait à l'agent Slender. Ça fait encore plus flipper. Donc, dis-toi, Rec plus Slender. Ça fait un jeu vidéo super. Et puis... pourquoi ce mec vient de s'enfermer dans les chiottes? Putain... oh non... c'est quoi ce bordel? Ah ok, c'était dans le conduit d'aération. Ok, c'est parti. Oh mais ce jeu, mais il est... oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Merde! Je me bats. Il va me bouffer. C'est un psychopathe. Attends, tu me diras, on est dans un jeu pour les psychopathes. Ah, oh non, ah, 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 ah. C'est quoi? C'était quoi? C'était quoi ça? Merde. Pourquoi il y a des ports de jeu? Ok, on doit changer la pile. Le truc le plus flippant au monde. Ok. Pourquoi il bouge, lui? They killed us. Oh, fuck this. The variants. Ce jeu me fait flipper. Là, là. Et pourquoi il y a des têtes dans les bibliothèques? On a dû passer toutes les victimes du monstre. Fuck this why. Les mecs, ce jeu va nous en faire triper. Crève-toi, allez. Ok, on y va. Ça bat les steaks. Ok, on ouvre la porte. C'est parti. C'était quoi ce bruit? C'est un... ah, des piles. Ok, super. Parce que oui, parce que on peut perdre des piles et se retrouver complètement dans le noir. Ok. On va activer la vision nocturne. Quelque chose là-bas. Ok. On va un peu se faufiler ici. Little thing. C'est quoi? Ah, espèce de gros là, tu me touches, bitch. Oh, et cette musique super glauque. Aïe, maman. Je crois que j'ai chié dans mon froc. Oh, motherfucker. C'est qui, lui? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. C'est qui, ce bonhomme? Maman, j'ai peur. Ok. Si c'est pas super, je crois pas que je vais faire des jeux vidéo d'horreur plus souvent, moi. Proclame the god. Fouillez l'asile et accédez au local de la sécurité. Ok. Ok, on doit fuir l'asile. Je veux fuir l'asile. Par ici pour fuir. Je vais passer ici. Ah. Oh non. Oh non, 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 non. Voilà. Mais, mais... oh, mais t'es sérieux? Pourquoi j'ai plus de vision? Ah ouais. Ah non, mais les gars, j'ai flippé. J'ai cru qu'on allait se retrouver dans le noir. Avec le gros monstre, là, pas beau. Ok.
C'est super, on va aller voir dans l'autre porte s'il y a quelque chose. Quelqu'un? Toi, petit cadavre, peux-tu me dire où ils sont passés, mes amis? Connard, tu peux parler en plus. Bon, on va se retrouver nez à nez avec le monstre, je le sens. C'est une certitude même. Dans tous les jeux glauques, horrifiques et horreurs, il y a tout ça, il y a tout le temps ça. Tu te retrouves face à face. Ok, maintenant j'ai peur des plantes vertes, c'est super. Ah, je sens que cette nuit, je vais faire des cauchemars. Non, mais je rigole, en fait. Hein. Bon, je suis un bonhomme. Hein. T'as cru que j'avais peur de ça ou quoi, oh? Pas peur du tout, hein, oh. Tu m'as pris pour qui? T'es fou, toi. Hein. Appuyez longuement sur A. B, C, D, E, F, G. Kill. Oh, y a quelqu'un. On va lui dire bonjour. Monsieur là-bas qui bouge. Ils sont passés où, mes amis? Topin. Eh, Topin. Eh oh. Moi, t'es trop mignon. Avec tes dents toutes jaunes. Et tu me fais peur, en fait. Maman! C'est qui? C'est qui, ce bonhomme? C'était quoi, ça? Eh, petit bonhomme, ils sont où, mes amis, toi aussi? Toi qui es vivant, dis-moi où ils sont. En fait, t'es chelou, toi. Tout le monde, presque dans toute l'Asie, il est mort. Et toi, tu fais quoi? Tu regardes la télé alors qu'elle est éteinte. Et toi, oh putain de fucking bitch. Monsieur gentil, toi, pourquoi tu pleures? T'en fais peur, hein, ces deux personnages. Ok, bon, bah, moi, je me barre. Parce que moi, j'en ai marre de ce truc. Bonjour. Comment allez-vous? Dites-moi tout. Puis c'est trop mignon. Je peux t'adopter comme asile de compagnie, s'il te plaît? Je te donnerai des bonbons. Bon ben, je me casse. T'es pas beau en plus. Méchant. Je vais revoir les gentils bonhommes. Oh, un truc par là. Ah, j'avais même pas capté en plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? On active la vision nocturne pour faire encore plus glauque et pour qu'on fasse un gros caca dans notre culotte. Qui veut se pisser dessus et regarde ma vidéo? Carte magnétique? Oh ouais, je l'ai trouvé. Ok, super. Bon, maintenant, on court ouvrir cette porte et on se barre d'ici. Ok, on va changer les piles. Ok. Maintenant, on va pouvoir se barrer. Ah, maman, maman, ah, dégage, dégage, dégage. Ah, maman, maman. Dégage. Ta mère, ta mère. Dégage. Baisse les yeux, baisse les yeux, toi. Sale victime, va. Travelo, maintenant, t'as pas peur, hein. Je crois que je vais me barrer. Maman, là. Au secours. Un fou de l'asile, il m'a tué. Moi, je me barre d'ici parce que ici c'est trop glauque. Bon, on se barre par l'ascenseur parce que je trouve la flemme. Oh putain. Ok. Bon, bah, on va se barrer par là, là-bas. Ce qui lui est. Putain. On va aller voir dans les chouettes. J'ai envie de chier. Ah. Note qu'on fait, j'ai pas trop envie de chier. Le mec est mort. On se chie dessus. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Une cuvette portable. Là-bas. Ouais. Les têtes de gens. Maman. C'est très glauque ici. Hardcore. Oh ouais. Le mec, il avait vraiment faim quand même. Bon bah, moi, je me barre.
Non, 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 non. Fais la promenade, ouais. Interagir. Allez, moment Glock. Ok. Oh yes! Je crois que c'est ici pour ouvrir la porte. Ah, ça c'est super ça. Ok, on va ouvrir les serrures. Oh. C'est qui lui? Oh, c'est le mec qui m'a. Non! Oh putain! Non, non! Oh non, non! Maman, maman, redémarrer le groupe électronique au sous-sol. Oh, mais je l'entends! Dans le vestiaire, vite, vite! Maman! Ah. Il est où le bonhomme? Non, je veux pas sortir avant, c'est mort. Mother of why? Non. Oh, non, 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 non. Heureusement qu'il a regardé dans l'adversaire. Vas-y, dégage, gros larve. Je suis un bonhomme, vas-y, dégage. Non mais je rigolais. Non mais toi pas, t'es gentil. Dégage, allez. Ça t'a pète toi. Allez, dégage. T'es une bitch en fait. Vas-y, baisse les yeux. Ah, il m'a pas vu. Nananananer. Enfin, je crois. Maman. Secours, je suis enfermé dans un vestiaire. Je veux sortir. Ah, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Bon bah je crois qu'il nous a laissé partir. Bon bah c'est super, on va se laisser ici dans ce magnifique vestiaire. Il y a 3 trous, 4. Ouais, enfin bref. Et donc je peux vous dire que ce jeu me fait vachement flipper. Et encore, c'est parce que j'ai dû recommencer la vidéo parce que comme un con j'avais oublié de activer mon micro. Du coup c'est sûr que ça m'a fait un peu moins peur, mais je vous dis dans les prochains épisodes. Je vais chier dans ma culotte. Et il va me falloir au moins 10 slips de rechange. Non, je ne porte pas des slips, je rigole. Non, franchement, Outlast, c'est le jeu à te faire chier dessus, franchement. Ils ont mélangé Rec, Slender et tous les jeux d'horreur que tu puisses imaginer en un seul jeu. Et en plus avec une histoire. Donc imagine le truc. Franchement, ça va être le jeu le plus flippant au monde, je te jure. C'est un truc de ouf. Vous allez voir dans mon let's play. Enfin bref. Je pense que je vais vous laisser ici. Et donc, dans le prochain épisode, on va rallumer le courant, je ne sais pas quoi. On va défoncer le bonhomme. Parce que nous, on est des bonhommes, oui. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.